Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous parler du site Shein. On se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai testé le site Shein, qui est un site chinois, hein, ça s'entend très bien au son du titre. Voilà, tout simplement pour acheter des vêtements. Pourquoi ? Parce que premièrement, je suis dans les grandes tailles, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Et donc, les grandes tailles, quand on va dans les magasins standards, c'est très compliqué de trouver des vêtements. On peut trouver des vêtements, mais clairement, ça va mieux à Tata Ginette qu'à moi. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Du coup, ça commence à me gonfler. Et à force que j'entende parler de Shein, j'ai voulu tester. Et pourtant, je suis très réticente au site de fringues chinois, mais soit, j'ai voulu tenter l'expérience et donc je voulais partager ça avec vous. Donc j'ai fait une commande déjà où j'ai acheté 3 hauts et 2 pantalons, dont une chemise pour mon chéri que je vous mettrai en photo mais que vous verrez pas porter parce que bah il est pas avec moi et donc il l'a mise et elle est très bien, spoiler. Donc voilà, ensuite je vous mettrai les tenues, toutes les tenues que j'ai achetées, je vous mettrai les lookbooks, voilà, pour que vous puissiez voir exactement comment ça me va. Donc la première chose que je vous dis, on va directement passer à la conclusion, j'adore. Voilà, c'est pas compliqué, le rapport qualité-prix pour moi, il y est. Clairement, bah, sur ce t-shirt, il est épais, il est comme sur la photo. Enfin voilà, 5 euros quoi, enfin je veux dire il est payé. Le seul truc c'est que sur certains de mes t-shirts, les noirs que vous allez voir, il y a eu des petites coutures qui continuaient, donc il suffit juste de les couper et puis c'est bon. Au niveau des tailles, j'ai eu tendance à prendre un petit peu au-dessus par peur et ça a été là je pense mon erreur, car vous allez voir je flotte dans les t-shirts. Celui-ci ça va et encore vous voyez les épaules, mais bon au final ça me fait des petites épaulettes donc ça passe. Mais vous allez voir sinon sur les hauts noirs, après moi ça me dérange pas parce que j'aime bien être ample dans mes vêtements. Pour ce qui est des pantalons par contre, parfait. Juste le jean, il manquerait un petit peu de longueur en bas au niveau des chevilles, mais bon après encore une fois moi ça ne me gêne pas. Et le pantalon noir au niveau de l'entrejambe, c'est faut pas trop tirer dessus parce que moi j'ai tendance à remonter mes pantalons hauts parce que j'aime bien les tailles hautes vu que j'ai des hanches. Et ça fait un petit peu donc attention. Voilà, sinon dans l'ensemble je suis très satisfaite. Pour choisir vos tailles, tout simplement il y a les mesures sur Shein qui sont vraiment plutôt fiables. Enfin, c'est-à-dire moi pour le pantalon, vraiment j'ai mesuré mes cuisses et tout mesuré. Faut un mètre couturière, c'est mieux. Après, si vous avez tendance à prendre certaines tailles, je pense que vous pouvez vous y fier, vos tailles standards. Après, attention, sur certains articles, lisez quand même le descriptif au niveau des tailles parce que ben, c'est pas forcément les mêmes coupes que chez nous ou les choses comme ça. Donc vraiment pour moi en fait c'est pas compliqué, vous sélectionnez la taille, il y a un tableau qui arrive avec les tailles, les mesures, vous le suivez, c'est parfait. Je crois que ça n'était pas le cas au début du site, enfin au début où Shein a été créé, les tailles c'était un petit peu compliqué, mais là vraiment ils se sont adaptés aux tailles européennes on va dire. Donc du coup au niveau des tailles européennes c'est quand même relativement bien respecté. Moi ce que j'ai adoré c'est qu'il y a énormément de choix. En fait, on peut avoir des vêtements classe, des vêtements au goût du jour, des vêtements à votre style. Parce que moi, j'ai pas forcément le style de la mode actuelle, hein, qui est très années 90. Personnellement, j'ai un style assez sobre. Donc, du coup, voilà. Mais il y a de tout, en fait. Et c'est ça qui est génial. Personnellement, j'ai passé des heures à regarder ce site. Et encore, j'étais passée à côté du fait qu'ils avaient une gamme maquillage. Après, la gamme maquillage, je pense que je testerai, je vous en reparlerai, mais faites attention aux palettes, aux paupières, enfin aux ombres à paupières, pardon, aux rouges à lèvres, enfin tout ce qui est ce que vous mettez sur votre visage qui vient de Shein. Je vous mets en garde parce que certains produits sont pas très bons pour la peau. Pas tous, mais quand même un grand nombre. Donc moi, si je... Pardon, le soleil se bat, c'est génial. J'ai voulu en profiter un peu, mais je crois qu'il n'est pas d'accord. Donc, bref, c'est pas grave.
montage, je vous mettrai un peu plus de lumière. Donc, du coup, si je teste la partie maquillage, je pense que je vais vraiment tester la partie pinceau, tout ça, parce que ça, c'est le top. Voilà, on n'a jamais assez de pinceaux. Il y en a un à la maison qui dirait pas ça. Voilà, donc je vais vous laisser avec les lookbooks pour que vous voyez un petit peu ce que je me suis acheté et comment ça me va. Sinon, ben voilà, mon conclusion, franchement, vous pouvez y aller. J'ai mis, ah oui, en termes de livraison, ça a mis 6 jours à arriver chez moi. Voilà, tout simplement. Sachez que vous avez régulièrement des codes promo quand même sur Shein. Vous avez toujours un petit coupon de 5 euros, de 3 euros. Enfin voilà, surtout que là, il y a le Black Friday qui arrive prochainement. Donc à mon avis, ça va être une aubaine. Voilà. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, ça va de soi. J'ai pas 1 million d'abonnés, donc vous vous doutez bien. J'ai fait mon propre avis. J'ai dépensé mon propre argent. Et je suis totalement objective. Vous savez très bien que quand j'ai des coups de gueule à passer, je les passe. Et là, pour le coup, Shein, bah, ça a été vraiment une vraie surprise. En termes de qualité, en termes de prix, j'en ai eu pour 50 euros pour tous mes articles, livraison comprise. Calculez vite ce que vous payez en magasin, vous allez vite comprendre. Et la livraison hyper rapide, quoi. 6 jours, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, ça va mettre un mois, tranquille, comme AliExpress, des choses comme ça. Pas du tout. Bah, sinon, c'est tout. Je vais vous laisser avec les lookbooks et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Thank you.